prenez ça et puis mettez le cadran. C'est ça votre arrangement? Hein? On vous a dit que je travaille au péage? Monsieur, je représente la loi. J'ai le droit d'intervenir là où il y a un désordre. D'accord? J'ai dit, je vous amène. On va au poste. Chef, ma moto. Je vous dépose. Qui me dépose? Oui. Oh, vous voulez? On fait pas ça. Regarde-moi cette pauvre villageoise. Tu es quoi par rapport à ceux qui en prennent les motos? Tu l'insultes pourquoi? Je ne l'insulte pas qu'elle est qui. Oh, oh, madame! Arrêtez! Détective Guyasso. Comme ça, madame, vous voulez tuer cette femme devant une foule qui vous acclame? C'est de la légitime femme. Ah! Un bien gros mot pour un quartier si mal famé. Ce sont tous des assassins, chef. Ils sont tous jaloux de moi. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Qui est jaloux d'une traînée comme toi? Traînée ta mère, ta grand-mère et la sale pute de fille que toi tu es. Mon inspecteur. J'ai dit détective, pas inspecteur. Détective, j'ai attrapé cette femme sur le lit avec mon mari. Depuis un certain temps, mon mari me trompe. Parce qu'il m'a demandé de devenir brune. J'ai refusé. Il n'est pas censé me tromper. Et c'est pour ça que vous créez tout un désordre à l'ordre public? Mais, inspecteur... J'ai dit détective, madame. Et la prochaine fois, je ne vais pas tolérer ça. Désolé, chef. Même si votre mari vous trompe avec toutes les femmes du monde, ça ne vous donne pas le droit de faire tout ce désordre-là. Attends, qui est même votre mari? J'ai mis là. Ah, c'est ce bulldog-là. Je me suis réveillée. Ah bon? Et c'est combien de mois ça? Quelques jours, je crois. 3 mois? Oh là là! Le bailleur? Il est malade? Tu viens chez moi m'adresser pour l'argent du loyer? Tu as payé. Ah, donc tu es avec lui? Tu as payé. Tu es fort pour payer le loyer. Ne me dis pas ça. Toi, ne me dis pas ça. Je te rappelle ça. D'abord, ça va pas se passer comme ça. Même lui, là, il va me sentir. Monsieur, je t'insulte pas. Je ne dis que la réalité. C'est la réalité des choses. Mais tu es laid. Tu es laid même. Tu n'es qu'un laid de l'homme. Je vais perdre mon calme, Ndiasso. Si tu perds ton calme, ça va faire quoi? Je ne te suis pas. Juste pour te rattraper et te rappeler que ma mère est malade. Mais si ta mère est malade, mais elle n'a qu'à aller se faire soigner. Je suis le médecin. C'est comme ça que tu me parles quand je dis que ma mère est malade?